joueur de poker. Eh bien, yep tout le monde, ça serait Asson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Tank. Aujourd'hui, nous sommes en 50. Et donc, comme vous avez pu le voir, il y a eu, j'ai entre guillemets, une petite intro au début. Donc en fait, c'est grâce à Share Factory, le logiciel de montage de la PS4, et ils ont enfin ajouté le thème World of Tank. Donc, il y a une intro, le titre, et à la fin, il y a une outro. Donc, vous verrez à la fin. Et donc aujourd'hui, Master 50, c'est une Master. Alors, sur Westfield, je l'avais dit quand? Je l'avais dit pour ma partie en Batchat tier 10 avec Nico et Alexandre Metal. C'était à la vidéo Gros Carry avec on avait Carry comme des porcs à la fin. À un moment, celle-là va venir juste après, normalement, je pense. Par exemple. Et donc, en fait, Westfield, je l'aime bien en médium. Et comme vous avez pu le voir, et comme vous allez le voir, juste plutôt, vous allez voir toute la puissance du E50. Clairement, vous allez voir toute la puissance du E50 en action. Voilà, en ratio, donc voilà, donc vous allez voir toute la puissance de son canon, du RAM, il y a tout. J'ai ramé un conquéreur de flanc, je vous dis même pas les dégâts là-dedans. Je vous l'ai dit, même pas, je vous dis même pas les dégâts, c'est n'importe quoi. C'est en gros, c'est tu sors un conquéreur en moins de 2 quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Deux tirs, un RAM, chut, plus de conquéreur, adios. Pourtant, un conquéreur ça a 1900 et quelques PV. Je vous dis, hein. Deux tirs plus le ROM que j'ai fait, c'est bon quoi. Donc, comme on peut le voir, le 50, son avantage c'est que haute caisse, il est make boons. Puis bon, il a moins 7 de dépression. Donc, ça passe encore. C'est entre russe et américain, c'est un mix entre les deux. Canon 0,30 de précision. À la paix, il a 220. À la gold, il a 270. Approximativement, il a une alpha moyenne de 400, je crois, ou 390, je sais plus, je crois c'est 400. Enfin bref, c'est comme le T-115 ou là des lourds comme ça. Voilà, donc en tier 9 c'est une machine, c'est une tuerie. Il y en a deux M40. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, inbounds quoi. Si je m'en monte comme ça, soit ils arrivent à choper mon bas de caisse, soit mon flanc de tourelle. Ça dépend, c'est l'un des deux. Ça dépend. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un peu le mélange. Donc je fais gaffe au 704 au bout. Donc il y a le conquéreur là, et vous allez voir la puissance du RAM. Vous allez voir la puissance du RAM, donc je mets un tir, 483, elle a le RAM. Pouf! Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis près de 700, donc 599 plus 2 fois 120, donc comme vous pouvez le voir, on lui fait vraiment très mal. Donc après, si vous tirez une fois avant et vous ramez, après vous tirez une fois après, le conquérant vous le mettez dans une... Vous les montez quoi, clairement, vous les montez quoi. Ouais, mais je la... Casse pas la tête. Donc au moins voilà, j'ai pu au moins régler quelques soucis, quelques problèmes là dessus pour aider les alliés, comment là je les ai aidés. Donc comme vous pouvez le voir déjà, bah, là, je suis déjà pas mal en dégâts, mais c'est pas fini. Je vais aller les chercher de l'autre côté et vous allez voir, le finish est juste magnifique. Clairement le final est splendide. J'aurais pas eu de 50, j'étais mort. Mais vu que j'en ai un, je ne suis pas mort. Je vous laisse découvrir. Donc on sait voilà d'avance que les mecs sont en 0, ils sont près du pont. On le sait d'avance. Donc je m'y rends illico presto. Surtout que les mecs bah, en face sont full vie quoi, quasiment. Ils sont tous à peu près full vie. Donc là vous voyez l'IS3, donc lui il m'a bien surpris. Bouge pas, je t'ai dit bouge pas, putain, oh, merde. Donc il me tire haut de caisse, il me bounce. Moi bah forcément bah, moi je lui mets hein, pas de problème là-dessus. Par contre il y a l'autre, le T95 machin là. Donc là l'IS3 a reloupé, mais après voilà c'est le médium en haut qui me la met.
Donc Yastrok était full, j'ai déjà sorti. Voilà. Donc le TD, bah lui il sera mort. Il est mort. Et il reste le médium plus un Fatherland. Eh J'ai le vu Fatherland, le coucou nom toi. ambulant, Full vie putain. pareil. Donc il Putain, m'en a mis une. J'avais vu tirer de la Donc forêt, j'essaie mais. de m'angler d'une façon pour éviter Il y qu'il en me a la deux, mette. quoi. Donc il veut me ramer, bah il m'a mis moins Les deux, 100, ils sont l'autre maintenant il se sur ramène. ça. Donc j'essaie de garder un angle sur les deux champs en fait, à moitié anglais comme ce que je viens de faire. Donc là je sors le T-84 en priorité, le Fazant se prend un tir. Donc là je joue vraiment avec mon haut de caisse si possible. Il me bounce et je le termine. Voilà. Donc en tout cas, sa fin de jeu, LOL, j'espère qu'elle vous aura final plu. C'est qu'elle MDR. n'hésite pas à mettre un petit caca, un Ça petit t'a fait du moins commentaire. chier, ils sont tous morts. Et en tout cas, moi T'as je vu dis à la les frères, ils prochaine. sont Salut au tous, cul. c'est bye Oh bah, il doit avoir une master là-dedans. Oh bah, 8, tu parles. 7800 de dégâts, 3000 d'assist. 7008, T'as la 3000 vache. d'assist.